Tout en blanc, symbole de la pureté, la simplicité, mais aussi la connaissance. Le blanc est la couleur de la perfection spirituelle, mais aussi de la purification et du nettoyage à tous les niveaux. Il inspire, aide à trouver la paix, la vérité et l'illumination spirituelle tout en éloignant les malédictions grâce à ses ondes positives. C'est en présence des dignitaires venus du Ghana et du Nigeria et surtout du président de la fraternité Ogboni du Ghana, Kabiesi Agbemenya Nana Bosurfo. Prenant la parole à cette cérémonie, le nouveau président d'Ogboni au Togo a fait savoir que sa religion est la vraie voie de la vie et quiconque y est initié ne souffre plus. Nous voulons profiter du retour de la déesse Yabeni dans notre pays pour installer dans chaque région des arrêts pour avoir un grand nombre positif d'initiés. En procédant ainsi, nous pensons réduire la précarité dans notre cher pays, le Togo, parce que dans Ogboni, l'objectif est de ne pas mourir pauvre. A souligné Romuo Mokonzi. Il faut souligner que Kabiesi Mokonzi Romuo a installé sur son trône lors de cette cérémonie dans la banlieue de la capitale du Togo, 11 Olori Oluwa. Plusieurs centaines de fidèles de la fraternité Ogboni du Togo sont présents. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes la fraternité Ogboni du Togo. Et nous avions fait notre initiation le week-end passé. Comme vous le savez, quand un enfant naît, le 8e jour, on le fait sortir. Donc c'est aujourd'hui, dimanche, le 20, notre 8e jour, nous avons fait sortir les enfants. Et là, on en profite en même temps pour faire le couronnement des hauts dignitaires de la fraternité aborigine, International World War. Donc aujourd'hui, nous avons couronné, n'est-ce pas, les Olori et les Olo, en présence du président Ogboni du Ghana. Donc, il était là pour le couronnement. Il a couronné certains, j'ai couronné certains aussi. Voilà, donc c'est l'objectif de ce soir. Ils sont devenus des dieux sur terre. Le couronnement veut dire, c'est les rois spirituels, Ogboni. Dans Ogboni, les rois dignitaires se font toujours couronner parce que nous sommes des rois. La mission, c'est de participer à tout ce qui concourt à l'évolution de la fraternité. Leur mission, c'est de bénir les fidèles de la fraternité. Leur mission, c'est de travailler avec moi. Si je ne suis pas là, ils sont là. Ils ont le même pouvoir que moi. Ils peuvent faire mon travail. Le travail de mon don, je passe, c'est quoi? Bénir les gens, sauver les gens spirituellement. Et tout le monde peut être membre Ogboni. Les chrétiens peuvent être membre Ogboni. Les musulmans peuvent être membre Ogboni. Ceux qui font les trucs traditionnels peuvent être membre Ogboni. Une femme peut être membre Ogboni. Et un homme peut être membre Ogboni. Un mineur peut être membre Ogboni s'il se fait accompagner par ses parents. Donc tout le monde vivant dans lequel le sang court dans ses veines peut faire partie d'Ogboni. Ogboni est clair et clair. Il n'y a rien d'obscurité dans Ogboni. Ogboni, c'est un nom Yoruba. Ça veut dire long life. Agbedidi, longue vie. C'est le Yoruba qui dit don't touch my Ogboni. Ça veut dire ne touche pas à ma vie. Donc, Ogboni même veut dire la vie, longue vie. À mes détracteurs, je leur dirais que c'est parce qu'ils sont ignorants dans ce qu'ils disent. Ils ne nous ont jamais assistés. Ils n'ont jamais mis pied chez nous. Mais ils parlent mal de nous. On ne les blâme pas. Mais un jour, ils comprendront que Ogboni, c'est la vraie voie de la vie. Ogboni a pour objectif évolution et protection. Ogboni a pour objectif, n'est-ce pas, d'activer ton destin.
Si dans ton destin tu es riche et que c'est des trucs spirituels qui te freinent à devenir cette richesse, mais avoir cette richesse dans ta vie, quand tu rentres dans Ogboni, c'est du feu. Comprenez? C'est pas forcément que quand tu rentres dans Ogboni, tu vas devenir comme Bill Gates. Non. Le destin de tout un chacun est respecté dans la vie. Donc quand tu rentres dans Ogboni, quand même, tu vas pas souffrir. Tu auras le niveau quand même. Mais être riche, c'est le destin et c'est Dieu qui le veut. Ogboni, c'est une église. Vous retrouvez chaque semaine? Pas chaque semaine. Mais s'il y a un truc que la déesse mère demande à ce qu'on fait aux fidèles de la fraternité, on convoque tout le personnel qui fait partie de la fraternité dans le groupe des Ogboni. On le communique, vous venez, on fait les sacrifices. Il se doit que la déesse a demandé. Ce que nous adorons dans Ogboni s'appelle Yah Abeni Adibola. Ça veut dire Adam et Ève. Ogboni, c'est une religion africaine. C'est une religion qui est née avec les premiers hommes de l'Afrique. Donc nous adorons Adam et Ève. Mais ça ne veut pas dire que nous ne considérons pas Dieu. C'est Dieu, notre patron, il est là. Dieu Jéhovah est là. Chaque chose que nous faisons, on le consulte. Mais celle que nous avons, celle que nous adorons plutôt, c'est la déesse Yah Abeni Adibola. Donc ici au Togo, par exemple, nous avons 5 régions au Togo. Dans les projets en cours, que quoi? Dans chaque région, il y en aura un arrêt dans chaque région. Là, tous ceux qui viennent de Kara, ils sont de la fraternité Ogboni, ceux qui sont de Japon, ceux qui sont d'Anir, Bassar et tout qui viennent ici. Il y en aura des arrêts dans chaque région. Là, tout le monde en aura l'occasion, n'est-ce pas, d'aller des temples le plus proche pour pouvoir faire ses prières. Mais il y en aura des réunions originales, des réunions uniques qu'on va se retrouver. Et bon, voilà, on fera les entretiens ensemble et comme les musulmans. Un arrêt, c'est le conducteur du peuple. Tout simplement comme ça. Vous avez entendu, on dit Kabiesi, Baba, arrêt ou non, Kakanfo. Kabiesi, c'est un dieu sur terre. C'est ce que j'avais dit que Ogboni est clair. Ogboni, c'est de l'or. Nous, les membres de la fraternité Ogboni, on s'habille très très bien. On ne fait pas des trucs de la saleté. Quand tu vois un membre Ogboni, il conduit une belle voiture. Il porte de belles habits. Parce que quand tu rentres à Ogboni, tu vas devenir responsable dans la société. Comprenez? Donc tout ça, la déesse mère, elle est comme de l'or. Comprenez? Donc nous les aborigines, on utilise souvent de l'or et voilà. Déjà, ce que nous étudions, vous voyez que ça prie. C'est comme ça. Ça, chaque chose a ses explications. Quand tu vois ça, avant qu'on lui donne, on dit que c'est comme ça que tu vas briller dans ta vie. C'est comme ça que son étoile va briller dans sa vie. Voilà. Mais on utilise le fa dans Ogboni, non? Partout dans le monde, c'est fa. Que tout le monde qui sont visionnaires, je ne sais pas, celui qui dit voit, c'est à travers ça. Donc le fa, c'est l'Afrique. C'est l'origine de l'Afrique. C'est ça le blanc que nous avons voulu. C'est facile là. Au Togo, c'est simple. Il suffit de venir me voir. Moi, Kabiesi Baba, nous sommes derrière ce que j'avais dit. Je suis sur le 228 93 38 92 38. Vous savez, il y a certains qui veulent rentrer dans Ogboni, mais quand tu viens, ton problème, on peut le trouver, on peut trouver une solution autrement. Et tu n'as pas besoin de rentrer dans la fraternité. Ce n'est pas forcé de rentrer dans la fraternité. Il y a certains qui viennent chez moi. Pour un problème, je peux pouvoir trouver une solution pour toi. Mais il y a aussi certains qui viennent et que lui, je lui conseille obligatoirement, il doit faire partie de la fraternité Ogboni pour que la déesse mère soit une protection pour cette personne. Oh,
Je
La fille donc à la hauteur, ça va se voir, mais il y a un problème pour les amis. Ah ouais, elle est sur le lieu où elle est non. Niveau c'est que haut dignitaire, avec le monde, il y a un contact. Alors, on peut parler de tout. Il y a un mot de mon agacé, un peu, on y a une fête, on va à Djibouti, on va à Congo. Selon, il y a une conception, alors nous disons nous allons chercher nous mais nous voyons mais secte nous existe, secte nous existe que bien maman tombe le fou quoi, au c'est secret quoi, c'est secte. Et quand même, on a le fusec, on a le fusec, Je suis un peu plus de temps.
Y'a béni la wèlou, nous on l'a dédié la wèlou.